Orai mai mote, orai mai na malewo iyo. Orai mote iyo. O na lewo, mama na malewo iyo. Orai mote iyo. Orai mai mote, orai mai na malewo iyo. Orai mote iyo. Mana blanga na masa ya chinu mire. Ah ah ah, si se mo. Oya si se mo kula baya. De cette victoire de nos athlètes qui se sont bien battus au Ghana. On leur rend hommage et on est fiers d'eux. On aurait aimé avoir au moins un représentant du ministère, mais j'espère que quand ils seront au courant des résultats qu'on est en train d'amener à chaque fois qu'on se déplace, quand même depuis quelques années, à chaque fois qu'on se déplace, on ramène une médaille. On aimerait bien que le ministère soit un peu plus proche de nous. Je pense qu'ils le sont, mais on aimerait bien une présence beaucoup plus affichée. On vit quand même, oui, on a des difficultés par rapport au matériel, surtout le vélo. Donc on a ce mal-là qu'on dit à chaque fois qu'on est interrogé. On revient sur ce problème de technique de vélo. Donc on espère vraiment qu'un jour on aura dépassé ce problème-là. On lance un appel au ministère qui est derrière nous, mais aussi aux sociétés nationales qui sont au Sénégal et qui devraient bien nous filer un coup de main, parce qu'on a quand même des jeunes qui méritent d'être aidés, d'être soutenus. On aimerait bien que ces sociétés-là nous fassent signe et nous aident pour que cette discipline-là aille de l'avant. On va continuer de miser sur ces jeunes-là, parce qu'on a pas mal de jeunes qui vraiment, si on les suit, si on fait bien le boulot qu'il faut, je pense qu'on sera satisfait de ces jeunes-là. Y en a un qu'on a amené en Égypte qui s'est classé 6e. On l'a ramené directement au Ghana. Il nous a rapporté la médaille d'or. C'est Maléini, Chérif Maléini de Bangor. Et je pense qu'on va continuer à miser sur ces jeunes-là. Les perspectives, c'est de viser plus haut que l'Afrique de l'Ouest. Donc on va essayer de voir si on ne pourra pas participer en championnat de l'Afrique de l'Est et puis voir plus loin. Et puis l'objectif, il y a un objectif aussi qui nous tient à cœur, c'est les JOJ 2026. Donc on est en train de faire de la détection au niveau des jeunes qui sont nés en 2010. Et ça aussi, c'est un objectif qu'on s'est fixé et qu'on aimerait atteindre, Inch'Allah. On lance encore cet appel au ministère aussi. C'est vrai qu'une discipline très très difficile, la natation, le vélo, la course à pied. Et donc,
il faut qu'on nous aide. Nous, on arrive à se débrouiller, on arrive à payer des vélos aux athlètes, on arrive à se débrouiller, mais on a besoin d'assistance. Seule la fédération toute seule ne peut pas aller loin. Donc voilà, on lance encore un appel. Je pense que le ministère nous a entendus, nous continuera de nous entendre, on lancera les appels. On avait misé sur Maleni pour le ramener, le rapatrier donc de l'Égypte. Il a juste changé d'avion pour partir au Ghana. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Et Antasok aussi, c'était très compliqué pour son départ au Ghana. Et voilà, on a misé, on a gagné. Je pense qu'il y en aura d'autres, des bons résultats. Ça me fait plaisir parce que la fois passée, quand je participais à la compétition de la zone à Accra, je suis fini deuxième derrière Leila. Et cette année, Dieu a fait que j'ai gagné le championnat et je suis vraiment très contente. C'est toujours pareil, je m'entraîne tout, je prépare tout, vraiment très difficile pour à la fin pour gagner les championnats au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, mon souhait, c'est de participer au championnat de l'Afrique de l'Est et bien avoir une préparation et un bon vélo surtout pour être dans les meilleurs triathlètes de l'Afrique. C'était vraiment très, très, très dur avec la chaleur. C'était pas facile. Et on s'est préparé au triathlon, pas au duathlon. Et une fois là-bas, ils ont des problèmes au niveau de la piscine. Et là, on est obligé de faire du duathlon. Et là, comme nous sommes des lions, on est prêt à tout. On a réussi à faire de duathlon et à faire de bonnes performances. Tant c'est comme ça, on part en compétition, championnat d'Afrique, on gagne des médailles. Et une fois ici, c'est comme si on faisait des compétitions nationales. Il n'y a pas de ministère, il n'y a rien. C'est comme si qu'on partait juste pour faire des trucs qui ne sont pas importants. Donc là, le triathlon, c'est vraiment très important et très dur. Dem tukki rek lolou yembul quoi nga ñew enchaîner ka dem benen compétition Égypte bi mom nima ko dundé mom metti na mais il faut ñu tenir ko rek naté enchaîner ñaari compétition mom yembul ñew gisso say parents ñew aéroport rek ñew ñu enchaîner dem nga dem Ghana Ghana bi mom yembul won naté nit lo liggé rek mom ngay fayeku waaw ma nga rafet lu bax mais metti won na mais ñu tenir ko rek waaw naté nit ñi sen li ñuy def pour son ci yow faut sen ñariñ pour ñu mëna contane faut ngeen indi len résultat bu bax pour sen liñ sonnon yépp mëna wacc quoi lo rek la mëna au niveau bobu il faut nga entraîner normal naté compétition Sénégal ak compétition haut niveau bokul waaw naté bo démé da nga fekk ño xamantene ñu la ko gëna gëm han gën la ko man duma la gën la ko man sax gën la ko gëm mais pour nga dem haut niveau il faut nga entraîner pour mëna dem wone fa sa bop bu féké dawla wala fey lolu yëm na mais bu féké dañ ñu mëna jappalé ci vélo bi rek han ministère lolu rek la ñaan ci walu vélo bi pour tolox ñom il faut liñu def yow nga def lu ko upp pour mën leen raw il faut nga entraîner liñu entraîner il faut nga entraîner lu ko upp pour mën leen raw ñom lolu wa ñu ngi xaar daal inshallah coupe du monde inshallah
dans lesquelles on était et surtout les adversaires, c'était très serré au niveau de la compétition, mais aussi parce qu'il y a eu un changement de programme à la dernière minute. Au lieu que ce soit un triathlon, c'est devenu un diathlon et on ne s'était pas spécifiquement entraîné pour ça. Bah, je me suis donné à fond pour quand même remporter une médaille, pour rendre fier mon pays, et bah, je pensais à mes proches et je me suis dit que je dois les rendre fiers. On est très très contents, on est tous heureux, on est fiers, on est à l'aise enfin de rentrer à la maison avec plein de médailles. Et voilà. Bah, que la prochaine fois on remporte la médaille d'or et qu'on continue d'augmenter. Et voilà. On aimerait de l'aide au niveau des matériaux comme le vélo parce que ça coûte cher ici au Sénégal. Donc on aimerait que le ministère nous aide beaucoup parce que c'est très cher. Bah, ça m'a fait beaucoup plaisir de participer à ces jeux parce que moi, le sport, je peux dire que c'est toute ma vie. Parce que sans le sport, je peux dire que je ne marche pas. Bah, c'était trop difficile parce qu'il faisait trop chaud. En plus, il y avait des adversaires au niveau, mais j'ai pu réussir. C'était trop difficile. En plus, les encouragements m'ont manqué beaucoup, comme j'en avais habitude. Et voilà quoi. Moi, je veux être au même niveau que Antangai parce que je peux dire que c'est mon idole. Okay. Elle arrive toujours à trouver les mots justes pour nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ça me fait beaucoup plaisir à chaque fois. Et quand j'ai su que j'allais voyager avec elle, ça m'a fait beaucoup plaisir. Moi, j'attends les matériels surtout parce que j'ai toujours pas de vélo et j'aimerais tellement avoir un vélo. Parce que les dimanches matin, ils vont faire du vélo. Moi, j'y vais pas parce que j'ai pas de vélo et ça me fait très mal. Mais de notre présente, elle nous soutient trop bien et c'est cool. C'était trop difficile parce qu'arrivé là-bas, je pense que mon vélo était cassé. On a dû la réparer et tout. Mais j'ai arrivé à mes fins, quoi, je peux dire.